vous présenter aujourd'hui trois produits que l'on distribue, à savoir un sélecteur de prise, une raquette en bois qu'on appelle Spot-On, et puis notre machine Quick Start. Le sélecteur de prise, très intéressant pour l'école de tennis, pour les enfants, pour les débutants. On sélectionne une prise ou on corrige une prise. Donc pour les enfants qui ont une prise soit extrême, ou prise marteau extrême, on leur met un sélecteur et on choisit la bonne prise et on peut puis bouger le grip. Une cuillère en bois qui va permettre de trouver la bonne distance latéralement. La tête de raquette fait 12 cm par 11,5 cm et ça correspond réellement au sweet spot de votre raquette traditionnelle. Donc il va falloir trouver un bon placement latéral pour pouvoir frapper la balle. Et puis l'idée aussi avec cet outil, c'est de conserver le maximum de temps la balle dans la raquette pour l'accompagnement. Donc un outil extraordinaire. Tout ça, on peut l'utiliser avec notre machine, la Quick Start, machine lance-balle pour les enfants, pour l'école de tennis, pour les débutants. Ce qu'il y a de bien sur cette machine, c'est qu'elle utilise les quatre types de balles. Balle rouge, balle orange, balle verte et balle dure jaune pression. Donc c'est pour travailler son placement latéral. Donc si il n'aime pas le placer, si l'enfant est trop collé à la balle, ça ne marchera pas. Donc c'est vraiment pour trouver latéralement la bonne distance dans son placement. Là, par exemple. Donc deuxième point important, c'est que pour pouvoir frapper, l'enfant ou le débutant va être obligé de se focaliser sur la balle et d'être vraiment attentif à ce qu'il fait. S'il frappe en arrière, s'il est mal placé, ça ne marchera pas. Troisième point important, c'est de conserver la balle le maximum de temps dans la tête de raquette. Voilà. Maximum de temps, et là, on est obligé d'accompagner. Ça ne sert à rien de frapper, ça ne marche pas. Il faut vraiment accompagner la balle dans la tête de raquette. Là. Voilà. Donc, c'est vraiment un outil extraordinaire. Un pour trouver son déplacement, son placement latéral. Deux, pour avoir un plan de frappe devant. Trois, pour conserver la balle le maximum de temps dans la tête de raquette. Et tout ça en ayant son œil qui reste sur la balle, fixé sur la balle. Donc très intéressant pour les enfants. Vous pouvez répéter ça à l'infini si vous avez une machine, par exemple. Ou vous pouvez aussi, grâce à cet accessoire là, ce correcteur de prise, eh bien vous pourrez du même coup lui apprendre la prise, la bonne prise, coup droit revers, parce qu'il ne pourra plus bouger. Voilà. Donc avec trois outils, l'enfant va apprendre la prise dans la même séance, il apprendra la prise, le placement et puis le déplacement-placement, le point de frappe. Donc ce sont vraiment des outils intéressants dans la pédagogie des enfants ou des débutants.